Hop là. Très bien, très bien. Très bien. Alors, sur quoi on va partir ce soir? Je sais pas, en fait. J'hésite un petit peu. Ça, j'aimerais bien que ça saute, ça. Voilà. Masquer le lecteur, voilà, comme ça, je reprends ma tronche. Ouais, j'ai un peu de mal à me décider là. Héros. Ouais, j'arrive pas à me décider. Autant Magic Yu-Gi-Oh, il n'y a pas de fin, donc il n'y a pas de pression là-dessus à se dire voilà, je l'ai commencé, maintenant faut que je le termine. Non, on s'en fout. Hein. C'est. Je sais pas. On a FF9 à continuer, on a Doom 2 à continuer. Et d'ailleurs, je l'ai mis un petit peu en mode. Voilà, si juste pour passer. Juste pour déconner un bon coup, juste donc. Même si c'est un jeu à finir, hein, mais moi je le trouve vraiment plus dans l'esprit juste de rigoler un bon coup, pas forcément le finir. On le finira de toute façon, ça c'est sûr, mais après qu'on y passe un peu de temps ou pas, ça me dérange pas plus que ça. Doom 2, je t'avoue que ça m'a un peu saoulé. C'est un peu saoulant. Derrière Vendetta, c'est quoi? Ah mais t'étais pas là hier soir? Mais il me semble que si t'étais là. Le jeu de tir qu'on a fait là, où j'en ai chié là pour viser avec le paintball. Die Hard Vendetta. Qui est pour moi l'un des meilleurs nanars vidéoludiques. Franchement, bien au-dessus de RO6. Bien au-dessus. Il est pas très connu le jeu, c'est ça qui est bizarre. Pourtant c'est un des meilleurs FPS que j'ai fait. Très moche. Mais complètement délire. C'est. Putain, je me suis tapé des barres sur ce jeu. C'est dire à quel point. Pour moi, il est exceptionnel. Il est exceptionnellement drôle, ça c'est sûr. Très très moche. Mais. C'est un jeu à ne surtout pas prendre au sérieux, quoi. Pourtant, c'est un die-hard, hein, mais bon, die-hard, bon, c'est du popcorn. Hein. Le jeu, c'est du popcorn. C'est clairement popcorn. C'est. qu'est-ce que j'ai rigolé sur ce jeu, quand même. C'est quand même rare, hein, des jeux où je me marre vraiment dessus. C'est quand même très rare. Une fois de temps en temps, mais franchement, limite du début jusqu'à la fin. Non, jamais. C'est jamais arrivé. Bon. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre avant de mettre le sondage parce que là, bon. Remarque, un vote, c'est un vote, hein. Un vote, c'est un vote. Hein. Demain, je pense qu'on repartira peut-être sur Demon's Souls demain. J'ai envie de le finir. J'ai envie que ça se termine le plus rapidement possible, cette merde. Comme ça, ça saute. Et je pense qu'après, niveau Souls-like, je pense que je ferai une petite pause. Parce que. De sauce like, ça me casse un peu les couilles. J'adore le style de jeu action RPG, hein. Pour moi c'est un Zelda, hein. C'est le maître du genre, c'est Zelda, hein. Donc Ocarina of Time qui est pour moi la référence des actions RPG en 3D, hein. la référence et voilà quoi. Pour un jeu qui est sorti il y a presque 30 ans. Enfin, 25 ans. Là, on n'y est pas encore à 30, là c'est 25. Pour moi, il est encore au-dessus. Hein. Ça va être dur de lui donner un digne successeur. Hein. Après,
Après, j'ai pas fait Lies of P, j'ai pas essayé DS3 encore non plus, j'ai pas fait. Enfin, Bloodborne, si je l'avais un peu essayé. À l'époque, il était un peu trop dur pour moi. Il était un poil trop dur. Mais c'était l'époque où j'avais juste essayé DS1, où je jouais énormément bouclier parce que voilà, j'ai l'habitude des Zelda, donc Zelda, t'as forcément le bouclier. C'est pas du tout la même approche. Là, c'est plus sur l'esquive que. Et j'avoue que Dark Souls, c'est là où c'est marrant quand même. C'est Zelda Ocarina of Time qui m'a initié aux actions RPG en troisième personne. Et Dark Souls, en fait, ça a été la référence qui m'a permis d'apprendre à parer et à faire des esquives au bon moment, qui m'a beaucoup aidé pour faire Breath of the Wild. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, Breath of the Wild sans DS, je l'aurais jamais terminé. Ah, j'aurais jamais eu le courage de le finir. Bon, après, je l'ai fait en mode expert, donc bon, après, je sais pas s'il y a une grosse différence entre le mode normal et le mode expert. Mais le mode expert, c'est Souls-like. Hein. Facile. Quand tu croises le premier ennemi, Bokoblin, avec une branche, il te défonce la gueule. Pour moi, c'est un Souls. Sauf quand tu meurs, bah tu perds rien, quoi. Si, faut se retaper le passage, quoi. C'est tout. Bom, 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 bom. Ah ouais, Breath of the Wild comme Tears of the Kingdom, à partir du moment où t'as compris les parades et l'esquive, le jeu, tu lui roules dessus. Hein. Tu lui roules dessus, mais quelque chose de bien. Hein. Il reste combien de temps? C'est pas marqué. Ça me bat les couilles. Hein. C'est ça qui est. C'est ils ont dû marquer ça. Il reste combien de temps? Ça me bat les couilles. J'ai pas compté. Ouais, Lies of P, il faudra que je le teste. Mais j'ai peur d'être déçu comme Wolong. Wolong. Ouais. Wolong. Hein. Wolong. Déjà rien que le tuto, déjà ça m'a cassé les couilles. Déjà appuyé sur la touche deux fois la même touche pour faire une esquive, va faire ça contre un boss quand t'as pas le temps. Ta team ninja là-dessus, ils ont vraiment été très cons. Hein. Je préfère largement jouer à Nioh. Hein. Wolong c'est Nioh en plus relou. En relou. Parce que Nioh c'est relou, mais pas tout le temps quoi. Wolong, putain, dès le premier boss, déjà ça m'a fait chier. Ça m'a vraiment fait chier. Déjà pour que je désinstalle le jeu, déjà c'est que. Même Nioh, quand je rageais, je le désinstallais pas. Wolong, j'ai pas mis 3 heures à le désinstaller. Hein. C'est de la merde! C'est de la merde! Non, c'est pire que Sekiro et Nioh réunis, quoi. C'est oh là 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 là, faut tout le temps parer et puis faut faire 40 parades pour espérer enlever un grain de point de vie du boss. Oh, merde, va te faire foutre. C'est un jeu chiant, c'est un jeu chiant ça. C'est des combats dynamiques, je dis, c'est oui, là-dessus c'est des combats dynamiques. Le truc avec les combats dynamiques, c'est bien quand c'est pas long. Les combats dynamiques, c'est bien quand c'est rapide. Quand ça dure pas longtemps. Quand c'est trop long, c'est chiant, on s'emmerde. On s'emmerde et t'en as juste marre, quoi, parce que. Voilà, c'est chiant. Et ça, ils ont pas compris, Team Ninja. Nioh, ça va encore. Enfin, pour la toute première partie, ça a à peu près. Les boss, en général, tu leur fais des dégâts quand même. Mais là, Wolong, c'est encore pire. Hein. Les mecs, tu les chatouilles, quoi. Bah, tu vois un peu, Aero, ton combat contre Cristallien. Eh bah, c'est ça. C'est exactement ça. Le truc, tu faut le taper 50 000 fois pour le crever, quoi. C'est débile. Ah oui, par contre, le boss, lui, te one-shot. Hein. Bah, non, sinon, c'est pas drôle.
C'est d'un chiant, Wulong, c'est d'un chiant. Bon, bah écoute, Dayard, hein. Voilà. Personne n'est venu voter, bah, tu vois, Dispé, quand il va arriver, bah, il va se faire ban, écoute, hein. C'est. Aux enculés, quoi. Ça sent le ban! Moi, je vous le dis, ça sent le ban. Bon, tu sais, il arrive juste, je lui mets un Théo, quoi. Interdiction de parler. Allez, hop. On est salaud quand même. Ouais, je te jure. Pourquoi ça compile encore les shaders alors qu'on a lancé le jeu hier? Oh, c'est bizarre ça. Normalement, ça le fait quand tu fais une mise à jour de Dolphin. Justement, d'ailleurs, je l'ai pas fait la mise à jour. Étrange. C'est vrai que j'ai pas pensé à la faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de trucs que j'ai pas pensé à faire. Déjà, j'ai deux lettres de motivation à faire, je les ai toujours pas faites. Ça démontre bien à quel point je branturle par moment. Oh, je les ferai tout à l'heure. Dayard Vendetta. Vendetta! Alors, on charge la partie. Putain, on a fait quand même le tuto hier. Hein. J'en reviens toujours pas. On a fait le tuto. Putain! Le tuto. La pire mission du jeu, quoi. Le tuto. Hollywood Boulevard. C'est à nouveau moi, Dick Sandberg. Dick Sandberg. Et je vais vous présenter une histoire qui va vous choquer et le vous meilleur étonner. Personnage de la saga. Peut-il aller en quête de gloire et de fortune. Alors que l'issue de l'audacieux raid de ce matin contre le musée d'art. Il porte bien son prénom lui. Dans tous les esprits, j'ai découvert l'étrange vie de l'un de ses principaux auteurs. Notre histoire commence ici, dans la petite ville de DeKalb, dans l'Illinois. Conscient de son héritage d'immigrant, Jack Frontlowski changea son nom en Frontier. Et s'engagea dans l'armée à l'âge de 18 ans. Frontier était déjà un homme d'action et il ne fallut pas longtemps pour que la CIA s'intéresse à lui. Oui, notre gouvernement a formé cet homme avec votre argent pour en faire un agent talentueux et dangereux au service de la CIA pendant près de 10 ans. Mais Frontier finit par en avoir assez de ce. C'est là que ta signature en bas de la photo est marquée 10 PM. Une vie plus satisfaisante, il enregistra une vidéo d'aérobic. Le résultat, ce fut une cassette baptisée S'exercer ou mourir, remplie d'exercices pour avoir des abdos parfaits. Oui, cela n'est possible qu'en Amérique, mesdames et messieurs. S'exercer ou mourir rencontra un succès immédiat et Frontier devint l'entraîneur des riches et des célèbres. Mais cela ne suffisait pas. Et coucou la Jed, mais tiens, tu vois. Il voulait être une star de ces films d'action dont il entraînait les héros. Et il finit par obtenir ce qu'il voulait, un rôle d'un voleur galactique dans lequel il campe un mercenaire de l'espace martien. Tac, j'ai dit la Jed, tac, le il est arrivé. Film, de façon surprenante, rencontra le succès et Frontier reprit le rôle dans l'inévitable suite Voleur galactique. Le film. Vous en dites des bêtises, quoi. Plusieurs critiques attaquèrent directement le talent de Frontier. Expliquant que même un extraterrestre jouerait beaucoup mieux. Pour Voleur Galactique 3, le studio décida de ne prendre aucun risque et choisit la coqueluche Greg Castle. Cette fois-ci, Jack Frontier était out. Désormais, repoussé par l'élite d'Hollywood, Frontier sombra dans la dépression et tenta même une fois de se suicider. Le vent tourne, mesdames et messieurs. Frontier est passé du statut de célébrité à celui d'ennemi public numéro 1 à la suite de la vicieuse attaque de ce matin. Oh oui, encore un tragique conte d'étoiles déchues et de rêves hollywoodiens brisés. Jusqu'où un homme peut-il aller pour ses 15 minutes de gloire? C'était Dick Sandberg pour HEN, où le show business est votre business. Un peu long l'intro là, mais... Éviter les pertes civiles. Faut parler là-bas. Les bleds cassent tout.
Les Blades ? Ouais, le gang a pété un plomb et ils sont armés jusqu'aux dents. Super. Monsieur l'agent, vous pouvez m'indiquer Melrose ? Je cherche la nouvelle boutique Trotsky. Crève, connard ! Personne fait chier Fat Larry ! Officier de police, lâchez votre arme, maintenant ! Hé, hey, hey, je suis le propriétaire ! Je suis Fat Larry ! Je l'ai touché à l'épaule ! Il ira pas loin ! Ouais, bah laissez-moi m'en charger maintenant. Protéger et servir, tu parles ! Eh, hey, on se calme ? Vous voulez que je vous donne un béni avant que vous arrêtiez ce type ? Ouais ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez-y ! Ils ont eu Sida ! Vous voyez ce grand jeu, nos héros, hein ? Maintenant, fichez le camp. Vous inquiétez pas ! Vite, m'en vais ! Maintenant ! Oula ! Bullet time ! Alors, où est-ce qu'il va se la prendre ? Ouh ! Cette tête ! C'était beau. On vient d'abattre des mecs, là c'est une scène de crime, tu vois, on ramasse leur flingue. Je te jure. Et où diable sont les renforts qu'ils ont promis ? Et où diable sont les renforts qu'ils Cette ont promis ? Cette guerre des gangs devient incontrôlable. Cette guerre des gangs devient incontrôlable. Toi, t'as quoi à dire, toi ? Y a rien à voir ici. Dégage-toi, même. Je suis flic. Alors je vous suggère d'aller à la banque. Il y a des problèmes là-bas. C'est bon, je couvre ce secteur. Moi, je vais retourner voir Fat Larry là. T'sais, le mec, il y a des échanges de coups de feu. Ça va durer encore longtemps. Bon, écoutez-moi. Je vous aiderai bien, mais je vais être en retard, moi. Ah, l'Amérique. Vous êtes incroyables, les mecs. Protéger et servir, tu parles. Bon, je vais prendre un petit beignet. Si ces types appartiennent à un gang, où sont leurs couleurs ? Et ce type porte des rangers militaires. Ouais. Hey, bon attaque compagnie. Ah mon dieu. Hey, cachez-vous c'est tous. Il a bien repéré. On se massacre. Protéger et servir, tu parles. Eh, on se calme. Ouais, dit toujours la même chose. Bon, je vais pouvoir enquêter du coup, l'interroger les témoins. Eh hey, mon gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Va chier, connard. Yay. Best PLG ever. Oh, soyez polis. Les flics sont tous pareils. Vous prenez pour des durs, mais vous êtes jamais là quand on a besoin de vous. Écoute, mon gars, je fais juste mon boulot. Oui, génial. Là, je me sens en sécurité. Écoute-moi, mon gars, tu te tais ou je te tire dessus moi-même. Oh, 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 du calme, tout va bien. Je sais le clown, c'est tout. Oh, toi, t'es beau, toi. Oh, oui. Madame, ça va ? Oh, mon Dieu. Je pars d'ici. Si vous pouviez juste rester assise pour l'instant. Ah, oh, comme vous voulez. L'exorciste. Oh, mon Dieu. Il parle au mur. Attends, je me mets là comme ça. J'essaie d'écouter. Apparemment, le mur ne dit rien. Vous ne voudriez pas aller reconditionner ? Pas aujourd'hui. Bon, ça va durer encore longtemps. Je fais ma pause déjeuner. Petite trousse de soins. Au fait, elles se cumulent les trousses de soins ? Non, elles se cumulent pas entre les missions. Ouais, dommage. C'est dommage. Madame, vous allez bien ? Mon Dieu ! Il tire sur
c'est du calme, c'est terminé, d'accord? Mon Dieu, ce n'est plus sûr nulle part! Faut que je quitte cette ville! Attendez ici que je règle tout ça. Ils sont si terribles! Oh putain, la dégaine. Ça va? Mec, cet endroit n'est plus amusant du tout. Vous avez vu le gars qui a fait ça? Du tout, mec. Je commençais à manger. C'est moi ou il a des seins? Vous n'avez donc rien vu? Non, que dalle. Hey, mec, j'ai même perdu l'appétit. Merde. Monsieur, vous avez vu ce qui s'est passé? Eh bien, je mangeais. Et d'un coup, il y a ce type qui se pointe et qui tire partout. Et après? Ben Larry s'est énervé et l'a fichu dehors. Vous savez, faut pas énerver Larry. Ça méritait une balle. Ah ouais, mais là, je mets une balle, c'est fini, c'est game over. Faut tout recommencer après. Parce qu'on n'a pas le droit de... des pertes civiles, on n'y a pas droit. Hein. Hey mec, merde. Qu'est-ce que tu veux ? Je me suis trompé de bouton. L'instant, si tu vois ce que je veux dire. Oh mec, tu gâches l'instant, oh, si tu vois ce que je veux dire. Avec l'accent parisien là. L'identité, s'il vous plaît. Vous ne devriez pas être ailleurs. Et il me fait peur. C'est bon. C'est terminé. Respirez fort. Ces enfoirés, il faudrait les étouffer à la naissance. Du calme. Tu énerves Mike. Si j'avais mon arme sur moi... Tout le monde va bien? Cet homme-là, je crois qu'il est blessé à la jambe. Hé, hey, ici McLean. Il me faut une ambulance à la banque. Ah, oh, putain, ma hanche. Ils n'étaient pas très bien organisés. On dirait qu'ils ont fait ça juste pour s'amuser. Oh, j'ai cru qu'on était tous morts. Oh, quel cauchemar. Putain, on dirait une Barbie. Mon Dieu, c'est flippant. Tu veux un bonbon? Je ne pouvais absolument rien faire pour les arrêter. Ils n'étaient pas très bien organisés. Ah, j'ai oublié de lui parler, lui. Oh putain, sexe, là, le... Est-ce que ça va? Ouais, faut juste que je reprenne mon souffle. C'est étrange. Droit jusqu'à lui, John. Écoutez, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. Alors pourquoi ne partez-vous pas, tout simplement? Hé, hey, c'est moi qui décide quand c'est fini. Et c'est moi qui décide si tu vis ou si tu meurs. Ok, ok, c'est vous le chef. D'affaire. Alors, je te tue ou je te laisse vivre? Mort ou vivant? Oh, mon Dieu, putain, merde. Oh putain! Il a foutu une pêche. Et merde. Vous n'avez pas réussi à éviter les pertes civiles. Faut parler là-bas. Putain. Les Bleds cassent tout. McLean, va au restaurant Fatlari. S'il y a des coups. Ok, j'y vais. Officier de police, lâchez votre arme. Maintenant. Hé, hey, hey, je suis le propriétaire. Je suis Fatlari. Je l'ai touché à l'épaule. Il ira pas loin. Ouais, bah laissez-moi m'en charger maintenant.
Si ces types appartiennent à un gang, où sont leurs couleurs? Et ce type porte des rangers militaires. Hey, c'est ma clé. Merde! Oh mon dieu, cachez-vous tous, il y en a d'autres qui arrivent. McLean. Ouais? Allez à la banque, il fiche le... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, il fonce. Voyez si vous pouvez les arrêter. Attends, je récupère juste la trousse de soins. Enfin, les autres, de toute façon, les autres témoins, ça sert à rien de les réécouter une deuxième fois, de toute façon. Ça déclenche rien. Que je l'écoute pas en fait, parce que sinon j'ai encore pété de rire encore, donc non. C'est terminé. Respirez fort. Ces enfoirés, il faudrait les étouffer à la naissance. Du calme. Moi je voulais prendre le mec en otage là, mais ça a pas marché. Tout le monde va bien ? Cet homme là, je crois qu'il est blessé à la jambe. Hé, hey, ici McLean, il faut une ambulance à la banque. Ah, ah. En suivant ce sang, tu vas aller droit jusqu'à lui, John. Écoutez, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. Alors pourquoi ne partez-vous pas, tout simplement? Hé, hey, c'est moi qui décide quand c'est fini. Et c'est moi... Ouh. Bien tenté. Oui, l'otage. Hop. Ça va ? Ça va, mais c'est pas moi qui vais nettoyer ce bordel. J'imagine que vous n'avez pas vu un homme blessé passer par là ? Si, il perdait beaucoup de sang. Il a brisé une fenêtre et il a sauté derrière. Merci. Attendez ici, quelqu'un va bientôt arriver. Écoutez, je vais bien. Fini de travailler pour aujourd'hui. On a un chien, quelqu'un s'est bien amusé ici. C'est quoi objectif? Interroger les membres du gang, éviter les pertes civiles, enquêter sur l'attaque du restaurant. Ah, peut-être qu'il faut que j'enquête sur le restaurant du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Va chier, connard. Je pense pas qu'il faut rétablir les dialogues, mais dans le cas, au cas où... Les flics sont tous pareils. Vous vous prenez pour des durs, mais vous êtes jamais là quand on a besoin de vous. Écoute, mon gars, je fais juste mon boulot. Oui, génial. Là, je me sens en sécurité. Écoute-moi, mon gars, tu te tais ou je te tire dessus moi-même? Oh, 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 du calme, tout va bien. Je faisais le clown, c'est tout. Ce qui est dommage, c'est qu'ils réutilisent les mêmes personnages. Ça, c'est dommage. Ça va? Oh, il y a qu'à voir surtout le premier niveau.
quand il y a 40 fois le même mec. Si vous pouviez juste rester assise pour l'instant. Ah, comme vous voulez. Monsieur, vous avez vu ce qui s'est passé ? Eh bien, je mangeais. Et d'un coup, il y a ce type qui se pointe et qui tire partout. Et après ? Ben Larry s'est énervé et l'a fichu dehors. Vous savez, faut pas énerver Larry. Ok, merci. Je vais vous demander de rester ici jusqu'à ce que ce soit terminé. Pas de problème. Ça va ? Mec, cet endroit n'est plus amusant du tout. Vous avez vu le gars qui a fait ça ? Du tout, mec. Je commençais à manger. Vous n'avez donc rien vu ? Non. Que dalle. Hey mec, j'ai même perdu l'appétit. Merde. Qui c'est qui l'appelle mec celui-là là ? On va pas regarder le cochon ensemble que je sache. Madame, vous allez bien ? Mon dieu, il tira sur tout le monde. Hey, du calme, c'est terminé, d'accord ? Mon dieu, ce n'est plus sûr nulle part. Faut que je quitte cette ville. Attendez ici que je règle tout ça. Ils sont si terribles, terribles. Bon, ça a pas l'air d'avoir avancé le... Non, ça... Non mais faut avancer alors. Peut-être qu'il faut... Peut-être fouiller la caisse au cas où. Au cas où, hein. Il aurait mieux fait d'aider lui et ses copains hein, parce que... Qui est con. Ouais, faut passer par là j'imagine parce que je vois que la fenêtre est cassée. Ouais, de toute façon il y a du sang là. Donc. Non. Regardez-moi ce mec. Hé, hey, je crois qu'il pleure. Tu ferais mieux de leur dire de poser leurs armes. Vous l'avez entendu ? Posez-les. Ok, ok. Ok, ok. Allongez-vous et mettez les mains dans le dos. Je voulais vous remercier, monsieur l'agent. Vous devez aller au commissariat et porter plainte. Oui, d'accord. Le commissariat, oui. Non, en fait, vous voyez, en fait, oubliez ça, je veux pas m'ennuyer. Quoi ? Eh bien, vous voyez, je suis pas là, je suis à Atlanta. Enfin, c'est ce que croit ma femme, Véronica. Bon, je dois y aller. Rien de mieux que sauver un enfoiré. Oui, merci quand même. Oh, il a quelque chose à me dire, lui. Les deux cadavres, le visage dans des pommes, c'est ton boulot ? Je sais pas de quoi tu parles, enfoiré. C'est pas de nous qu'il faut avoir peur. Mmh. Hé, enfoiré, je réponds qu'à un mec, et c'est pas toi. Peut-être qu'une balle ou deux dans le crâne, ça va te rafraîchir la mémoire. Merde, ils vont me tuer si je parle à un putain de flic. Et c'est moi qui vais te tuer si tu parles pas. C'est le nouveau gang dans la ville. C'est eux qui sont responsables. Qui est responsable des deux morts chez Fat Larry ? Écoute, mec. Hollywood, c'est chez nous. Sergio voulait qu'il meure. Sergio, hein ? Merci d'avoir rien dit. Merde, mec. Écoute. Je suis pas là et j'ai rien dit. Sergio. On dirait qu'il a trouvé un moyen de filer. Quel con ! C'est ça. Oh, j'essaie de dormir, connard. Et oh, et
Laissez-moi tranquille. Je dois dormir. J'adore. Où t'es le corps? Aïe 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 aïe, putain, qu'est-ce que je donnerais pas pour un nouveau jeu comme ça là, en FPS complètement nanar là, mais mon dieu, qu'est-ce que je donnerais pas. Ah merde. Qu'est-ce que je donnerais pas. Merde. Je sais pas si je peux, peut-être que je peux atteindre. Non, ça fait trop loin. Faut que je sois en mode course. Voilà, oh, attention, John. Ouais, attention à ta santé. Oh merde. Faudrait que je saute sur la petite plateforme là. Je crois que c'est ça qui manque surtout dans les FPS maintenant. C'est des FPS vraiment nanar. Où t'as juste envie de rigoler un bon coup. Un peu à la Bad Company. Enfin, ce qu'il y avait surtout dans le premier, le 2, c'était vraiment un chier. C'était pas aussi drôle que le premier, le 2. C'est ce qui manque un peu. Des bons FPS comme ça, là où tu rigoles un bon coup. Oula. Non, trop lent ça. Voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? T'es joli? C'est de la balle ce truc. Et c'est vrai. C'est joli. Hey, qui t'a demandé ton avis, enfoiré? Hey, et quelle cravate je mets avec ça? Merde. Tu vas pas porter une cravate avec ce truc. T'es quoi, comptable? Ouais, bah t'as qu'à me trouver une chemise, enfoiré. Puisque t'es un putain d'expert en mode. Laissez-les partir ou votre ami va perdre sa jolie gueule. Faites ce qu'il dit. Lâchez vos armes. C'est mieux. Putain, on a retrouvé Benzaï. C'est Benzaï, ça, hein. C'est Benzaï avec un bandana. Si vous voulez pas être à la une du journal ce soir, vous feriez mieux de foutre le camp. On a compris le message. Qu'est-ce que tu sais? Eh mec, je sais rien. T'es sûr que t'as rien à me dire? Eh, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous faites par ici, les gars? Du lèche-vitrine. Ouais, du lèche-vitrine avec des flingues. Ça craint dans le voisinage, c'est ça? Alors qui sont les autres gars? Ceux avec qui vous vous battiez? Quoi? Quels autres gars? Si tu veux pas passer le reste de ta vie à manger via un tube dans le nez, t'as intérêt à pas me faire chier. Oh, oh, du calme, du calme. On sait pas qui ils sont, mais ils sont venus. Alors ils vont payer. Sergio veut qu'on les tue. La ferme, connard. Sergio, hein? Merci d'avoir rien dit. Qui est Sergio? Personne. Si c'est personne, ça vaut pas le coup de crever pour lui? Alors qui c'est? Je crois qu'il tient une teinturerie dans le coin. Attendez, je reste là, j'ai besoin de vérifier 2-3 trucs. Alors, là, ça m'a l'air sécurisé, ouais, impeccable. Vous permettez? Ouais, ouais, non, mais... Bien sûr. Je fais uniquement mon travail, madame. Non, ça m'a l'air parfaitement sûr. Vous permettez? Non, non, bien sûr. Pas encore, enfoiré.
Elle a pas l'air de stresser quand même. Je viens de buter un mec juste à côté d'elle. Je sais qu'on est aux États-Unis, mais quand même. Hey, ferme-la et charge ce truc. Ouais. Toi, vérifie que personne nous voit. Hey mec, on en prend encore combien? Combien, à ton avis? On prend tout, connard. Allez, bouge. Tu es ce connard. Facile, hein. Toujours pas de Uzi ou enfin d'arme automatique. Malheureusement. C'est bien dommage. Écoute, je veux pas d'ennuis, t'inquiète pas. Alors ferme-la! Crève, connard! Pas la peine de vous relever. Au moins Larry sera content. Académie de billard Vinny. Rendez-vous à 3h. Il est temps de bouger, John. Ça va? Maintenant, ouais. Prenez ce que vous voulez, je vous l'offre. Non, merci, c'est gentil. Ah, vraiment, merci, vieux. Alors qu'est-ce qu'il nous reste en objectif? Infiltrer la réunion du gang et éviter le quartier civil. Attention. McLean, où êtes-vous? Je suis au Vinyl Fantasy. Vous pouvez dire à Fat Larry que j'ai eu son gars. Bien compris. J'envoie une voiture. Je crois qu'il faut en envoyer plusieurs. J'ai l'impression qu'il se passe un truc important. Bien compris. Tenez-nous au courant. Et marqué quoi sur le club de billard? Ah ben, c'est le même logo. C'est là alors. Carte de membre? Oups, bon, je dois l'avoir laissé au vestiaire. Pas d'entrée sans carte. Et voilà. Et tu te prends pour qui, connard? C'est pas toi. Tu portes même pas les couleurs. T'as intérêt à rentrer tes fesses chez toi avant que je te les botte. De quoi tu parles? C'est moi? C'est juste la photo qui est pas bonne. Ouais, bah je vais t'écrabouiller si tu fiches pas le camp. Tu entres pas. Ah oui, t'as défoncé la vitre. Eh ouais, t'as vu, regarde, je la défonce encore. Calme les mecs. Parle de couleur, parle de sûrement des fringues. J'ai vu qu'il y avait un vêtement qui traînait sur le comptoir, ça se trouve, il faut le ramasser. Juste à ma taille. De membre. T'as toujours les impacts de balles. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis pas là pour jouer au billard. Je viens livrer quelque chose au boss. Et qui donc? Sergio. Ok. Mais je te conseille de pas parler, sauf s'il te parle. Ils aiment pas les nouveaux visages par ici. Mais qu'est-ce que t'attends? Eh, il aime pas attendre. Mais qu'est-ce que t'attends? Matos.
Il y en a un qui a lâché une clé. Oula. Les clés du cinéma. Je vais aller voir ce qu'il joue. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit règlement de compte. Entre gangs là. Toujours pas d'arme automatique, j'imagine. Non. Putain, j'ai pas de. Attends, y a pas une trousse de soins dans le. Parce que là. J'ai pas beaucoup de vie là. Donc là, si je tombe dans une embuscade. Ah bah tiens, y en a une là. Putain, c'est galère. C'est galère pour manœuvrer. Les joies des FPS rétro quoi sur console. Alors là, alors autant sur PS4, PS3, enfin à partir de la PS3 ça devient quand même potable les FPS, autant ouais sur console rétro. C'est clairement autre chose. T'as raison, mauvaise pioche pour toi. Oula. Putain, le peu de vie qui me reste. C'est par là, non? Bah tiens, il y a des connards. Donc ouais, ça doit être par là. On peut pas contrôler la machine, je sais pas. Hein ? On aurait pu tuer les mecs avec ça. Eh oui, il est pas crevé ce connard. Hein. Ça le fait là si je fais comme ça. Ah oui. Ah. Putain, les coups de lag. On en prend plein la gueule, ça. En même temps, c'est le mode difficile, donc. Entrer au théâtre chinois. Ah, apparemment, il y en a qui. Il en restait des connards, apparemment. Pas fait gaffe. Le théâtre chinois. Voleur Galactique 3. Eh ben Frontière, tu t'es fait virer. On dirait genre... on dirait la... Comment ils appellent ça? On dirait l'affiche du film... le premier film Final Fantasy. Que j'ai jamais vu d'ailleurs. Parce qu'honnêtement, il m'intéresse pas. T'as été furtif à 71%. Ouais, alors eux, ils calculent en fait si t'es furtif ou pas. Quand je suis comme ça, en fait. Dans cette position où on m'entend pas, quoi. Ça, c'est l'autre mode, le mode action. Et ça, c'est le mode furtif. C'est... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, le piège ! Éviter les pertes civiles. Frontière, tu t'es fait virer. Il montre des films ici. Qu'est-ce qu'il fait? Oh.
Mais putain! Mais ta gueule! Ta gueule! Il va la fermer sa gueule! Oh, ça brûle ce truc. Est-ce que ça va? Ça va maintenant, chérie? Oh, mais chut, les brutes qui m'ont fait ça, ils sont toujours là. Ils ont emmené mes autres collègues en haut. Dieu sait ce qu'ils leur font. Ok, eh bien je pense qu'il vaut mieux que tu trouves un endroit sûr où te cacher. Tu l'as dit. On voit ça qu'à Los Angeles. Rien ici, monsieur. Ouais. Ouais. Bien sûr, je vous préviens à la seconde où je vois quelque chose. D'accord. Oui, monsieur. Terminé. Enfoiré. Ouvre-toi, espèce de saleté. Coucou. Un peu de protection supplémentaire. Hein ? J'ai un gilet, apparemment. Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Très bien. C'est un des rares jeux où quand même le mode Akimbo est plus que recommandé. Parce que quand ça enchaîne... Hey, qui c'est ? Ils ont piégé les portes. Yippee-ki-yay, pauvre con. Ouh, le petit Uzi là qui va bien. C'est un des rares jeux quand même où l'Uzi est quand même utile. Parce que j'avoue qu'en général dans les FPS, l'Uzi, quand tu l'as... T'as qu'une seule hâte, c'est de t'en débarrasser. Santé. J'en aurais pas un deuxième ? Non. C'était une arme de poing l'autre, il y avait alors. Fermé. Les toilettes. Hmm.
Alors je lui dis que je l'aime et tout ça. Et elle me répond... Ouais, mais je te vois jamais, t'es jamais là. Je connais ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle attend? C'est pas comme si on était mariés. Ouais, mais c'est ça qu'elle veut. Et crois-moi, tu veux pas ça, toi. Hé, hey, pas la peine d'en rajouter. Je refais pas deux fois cette erreur. Chut. Hé, hey, Greg, redis-moi ça. Greg? Dommage, j'aurais pu le choper lui. Ça aurait évité de le tuer, mais bon. J'ai complètement zappé le piège. T'as pas une idée de combien ils sont? Oh, un paquet. Ils avaient un tas de grosses caisses avec eux. Où ont-ils emmené les caisses? À l'arrière. Ils ont envahi le coin. Ouh, chérie, je meurs de soif. Je crois que je mérite de prendre ma journée. Je veux dire, avec tout ce stress émotionnel, je peux quand même pas retourner servir des sodas. N'oublie pas mes collègues. Ils sont toujours prisonniers là-haut avec ces grands types et leurs grands flingues et leur main tout usée de transporter des caisses. Deuxième partie. Une arbalète. Silencieuse et mortelle. Ça peut servir. Ok, si on suit mortel. Hein. Oh putain, combien il a dansé l'autre. Ah, je vois, j'en vois un sur les. Sur le balcon. De la merde cette arbalète, ça tue rien quoi. C'est de la grosse merde. Bon mais ça c'est mieux. Ça c'est une valeur sûre. Hein. Je me demande si ce truc est solide. Fermé. Pas de courant.
Ok, bon, mais rien à fouiller là. Attends. Vous avez eu l'enforceur. Ouh, c'est un Desert Eagle ça. Évidemment. D'où l'intérêt de l'orgue. Du coup. Parce que c'est sûrement avec ça qu'on va monter. D'accord, on peut monter dessus. Ah, voilà. Là, avec ça, on va pouvoir mieux négocier. On devrait bientôt y aller. Bien, le plus tôt sera le mieux. Ce job est risqué. Ouais, mais on a une assurance. Quoi, ces otages? Je sais pas pourquoi on les tue pas. Ils ont vu nos visages, ils peuvent nous identifier. Chaque chose en son temps. Tu sais que Frontier n'aime pas prendre de risques. Ouais, je sais. Tant pis. Oh putain, j'avais plus de balles. J'avais plus de balles. L'arbalète. Silencieuse et mortelle. Ça peut servir. La musique s'emballe. Oh, mais putain. J'ai tué en lui cassant les couilles. Best technique ever. Putain, la dalle à viser est vraiment à chier. Hein. Elle marche quand elle veut. Je me demande si ce truc est solide. Ah ouais, mort par cassage de couilles. C'est beau. Hein.
Là, je vais même pas m'emmerder à les prendre en otage. Là, je vais tous les crever jusqu'au dernier. On va pas s'emmerder. J'ai peur que ça dure trop longtemps, le jeu. Cette mission, elle est chiante un peu. Elle est un peu chiante, celle-là. On devrait bientôt y aller. Bien, le plus tôt sera le mieux. Ce job est risqué. Ouais, mais on a une assurance. Non. Là. Bute les otages. Oh. Une balle dans l'œil. Coucou. Qu'est-ce qu'il porte l'autre ? Je me demande si ce truc est solide. Ils m'ont même pas vu. Putain. Mais... Là, je vais être obligé de faire du bruit, là. Fais voir sa pancarte à l'autre, hein. Ah, c'est un tableau. Ah, c'est les tableaux. D'accord. Faut que je monte. Il y a un truc que j'ai dû louper. Hein. Il y a un truc que j'ai dû forcément louper parce que. Et coucou Dispé. Le plus tôt sera le mieux. Ce job est risqué. Ouais, mais on a une assurance. Quoi? Ces otages? Je sais pas pourquoi on les tue pas. Ils ont vu nos... Il y a peut-être un autre accès.
Bah ouais, mais... Ouais. C'est bien aussi comme ça, en mode héros. Pas se faire chier. Je crois que c'était la seule solution en fait. Parce que chaque fois ils finissent par se faire tuer donc. Alors au moins. Ouais, ça va, ça va. Merci. Vous êtes flic? Ouais, je suis l'agent John McClane, police de Century City. Et où sont les autres policiers? Il n'y a que moi. Alors je vous conseille pour l'instant de tous vous mettre à l'abri. Mais, et Alfred? Le projectionniste? Ils l'ont ramené. Restez ici, je vais le chercher. Il n'y a que moi. Alors je vous conseille pour l'instant de tous vous mettre à l'abri. Mais, et Alfred? Le projectionniste? Ils l'ont ramené. Alors. C'est comme ça qu'on me remercie. La ferme, c'est la meilleure, fiston. Je vous aide, et maintenant vous voulez me tuer. La ferme, je t'ai dit. Putain de gosse, vous avez pas les couilles. Tu sais que je bossais pour la mafia à Vegas. J'ai encore des amis. Encore. Ah, tu fais moins le fier, hein? Le spectacle est terminé. Hé, hey mec, tu sais pas à qui t'as affaire. Vas-y, mon gars, colle-lui une balle dans le crâne. Je crois que c'est surtout toi que tu sais pas à qui t'as affaire, du con. J'ai cru comprendre que t'étais impliqué dans tout ça. Ces gamins, aucun respect. Je gagnais plus quand je tirais des chaussures. J'ai connu un gars qui avait une bouteille pleine de crachats. Il pouvait pas cracher lui-même. Un truc au niveau des glandes. Alors il demandait à sa vieille de remplir un seau tous les matins. Pas croyable. Et tes amis ici? Ouais, bien sûr je les ai aidés. Quand un type te propose plus d'oseille que ce que tu gagnes en un mois, tu réponds quoi? Mais ces sales voyous, ces traîtres, ils voulaient me refroidir. Alors, qu'est-ce que t'attends? Alors, c'est quoi tes films préférés? Oh, je sais pas. Bons acteurs, bien écrits, et un tas de grosses explosions. On en reparlera, j'ai du boulot qui m'attend. Ouais, ok. Une autre fois alors. T'as déjà été torturé, gamin? Tu sais ce que ça fait de te faire arracher les ongles, hein? Ou quand on t'enfonce des aiguilles dans la langue? J'ai connu un gars à qui on avait enfoncé un bambou dans le... On en reparlera, j'ai du boulot qui m'attend. Ouais, ok. Une autre fois, alors. Il en connaît des gars, lui. J'ai cru comprendre que t'étais impliqué dans tout ça. Ces gamins. Aucun respect. Je gagnais plus quand je tirais des chaussures. J'ai connu un gars qui avait une bouteille pleine. Pour faire quoi maintenant? Faut partir? Non. Ah, oui. Faut remettre le courant, je crois. Pour l'orgue. Il doit y avoir un interrupteur, un disjoncteur ici. Ça. Et...
Oh putain, il y a du monde qui est revenu entre temps. Putain, ah, ça va être rigolo là pour les viser. Dur. Ah, peut-être que je peux peut-être les viser d'ici. Non? Oh, on bourre. On s'emmerde pas. Voilà. On truffe de plomb. Eh ben, c'est Police Academy 2 là, c'est dans la boutique. Dans la boutique de Sweet Shock. 1200 projectiles. Comment on fait pour descendre? Mais déjà que c'est dur de viser quoi sur un... Eh, franchement, moi ça me fait rire quand les gens ils disent j'arrive pas à viser sur un FPS quoi, putain. Faut jouer à un jeu rétro, hein. Vous allez voir ce que c'est que de pas savoir viser. Là vous allez vous en rendre compte là. Là ça va être autre chose. Hein. Là c'est excusable là, que tu puisses pas savoir viser. Sur un jeu rétro c'est jamais simple. Sur console, je parle, pas sur PC. Sur PC, vous avez aucune excuse. Oups, tant pis pour l'effet de surprise. Où est-ce qu'ils sont passés ? Il y a de l'affrontement là, non? Attends, il y a une caisse là-haut. Putain, il a fait à peine une petite chute de 3 mètres. Ça va, mec, limite, il meurt quoi. Oh, il trouve ce soin. Ah, oh, je suis preneur. Je suis preneur, mon coco. C'est comme ça que je vise, moi, ma gueule. Shadow Warrior qui s'est trompé de jeu. C'est pas mon kiff, Shadow Warrior. J'avais essayé le... Je crois que c'était le 2 qui était offert par le PS Plus. C'est pas ça, hein. C'est... Comme ça qu'ils emmènent les tableaux. Je me suis plus éclaté sur The Darkness 2 que sur Shadow Warrior. The Darkness 2, putain, si on pouvait y avoir une suite. Vu comment ça finit con. J'aimais bien là, quand tu... Alors je parle dans le premier surtout, là, quand tu étais mort, entre guillemets, que tu te retrouvais dans l'enfer, là. Putain. C'était cool.
L'enfer du 2 était vraiment plus chiant. Ah, l'espèce d'hôpital psychiatrique là. Bien, 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 John. Encore un tuyau. Si on pouvait tout bêtement avoir le 1 sur PC aussi. Ah ouais, il est jamais sorti le premier Shadow Warrior sur PC? Non, apparemment il en restait. Ah mais non, 4 arrestations. Non, non, c'est bon. C'est juste qu'on les a pas tous tués, hein. On en a arrêté quelques-uns. Et oui, il faut être un bon flic aussi, il faut arrêter un peu de temps en temps. Mais pas trop, parce que les prisons sont pleines déjà, donc... Si on peut se débarrasser de la racaille. Le premier Darkness est jamais sorti sur PC? Ouais, mais il semblait. Oh, c'est con. C'est con, ça, parce que, justement, le Darkness sur console, le premier, il est dur, hein, pour viser. Mais c'est dur. Quoi, cette odeur? Un des rares jeux PS3, quand même, en FPS, où tu galères pour viser. Hey mon gars, rien vu d'étrange par ici? Je dois faire les magasins avant qu'ils ferment. Ok, merci quand même. Je dois faire mes courses. Le baron, je t'ai reconnu, c'est toi. Hey mon gars, rien vu d'étrange par ici? Je dois faire les magasins avant qu'ils ferment. Je te jure. Avec que 360 et PS3, hein, oui. Putain, je l'avais bien aimé le premier aussi avec la bande originale là. Charmant petit coin. Elle pétait quand même, hein, la bande originale. Je crois que ça a été mon tout premier jeu PS3 en plus, hein. Si je dis pas de conneries, ça a été mon tout premier celui-là. Eh hey, vieux, t'as rien vu de bizarre? Putain, t'as pas froid habillé comme ça? On se jette, hein? Non, je viens de New York. T'as pas vu passer des hommes par ici? Oh, tu parles d'un réchauffement de la planète. J'essaye juste de rester au chaud. Hé, hey, vieux, t'as rien vu de bizarre? Putain, t'as pas froid habillé comme ça? On se gèle, hein? Allez, on se réveille. Quoi? Debout, mon vieux, un effort. Maman. Je suis pas ta maman. Oh, laisse-moi dormir. J'ai rien pour toi. Allez, on se réveille. Quoi? Debout, mon vieux, un effort. Bon, c'est la même chose. Ça a ramassé ça? Ça pourrait aider pour passer inaperçu. Ah, bah écoute. On dirait le parfum de ma belle-mère. Par contre, ouais, si on veut passer inaperçu, ouais. Voilà. Faut éviter d'avoir un flingue entre les mains, quand même. Ah. Dis, mon vieux, t'as rien noté de bizarre par ici? Eh hey mec, t'as pas un dollar? Si, et tu pourras l'avoir si tu craches le morceau. J'ai rien à dire, mais je connais des chansons. Je connais
la merguez partie. Je connais la bite à Dudu aussi. Je connais un tas de chansons sympas. Désolé mon vieux, j'aime pas l'art lyrique. Si tu veux ton dollar, dis-moi si t'as pas vu des types louches par ici. Des types louches par ici? T'es sérieux? Hey, tout le monde. Que la montagne est belle. Que la télé est cramée. Petit malin. Je veux dire des nouveaux visages. En dehors de toi, il y a ces trois types qui étaient derrière moi avec des flingues. Eh, dis, ce serait pour flic. T'es vraiment un petit malin. Et maintenant, tire-toi de là, gamin. Tu me gâches la vue, là. Dis, mon vieux, t'as rien noté de bizarre par ici? Eh, mec, t'as pas un dollar? Je crois qu'on a retrouvé le PDG d'Ubisoft. Tu t'amuses bien, mon gars? Mon cher Assassin's Creed! Et Paris! On peut pas, on a déjà fait Paris. Ou c'est Activision peut-être. On va devoir faire 4. C'est pas lui qui t'aidera, mon vieux John. Tu t'amuses bien, mon gars? Ils ont aucun respect pour eux-mêmes. On leur rendrait service en les éliminant, monsieur. Ne gaspillons pas nos balles sur eux. Frontier a dit qu'on devait buter tous ceux qui sont sur notre route. Ils sont sur la route de personne. C'est moi qui suis en charge. C'est à moi qu'on obéit. C'est compris? Chef? Oui, chef. Maintenant, ouvrez l'œil. On fichera le camp d'ici assez tôt. En voilà un autre. Laissez-le tranquille. C'est pas un danger. Ah bon? Oh, ne me tuez pas. Lâchez vos armes! Maintenant! Pas question! Bill, fais ce qu'il dit. Voilà ce qu'on gagne en vous écoutant, monsieur. Le mec a dû venir pour ces dialogues à du travail, tu m'étonnes. Bon les gars, les meilleurs flics de Los Angeles vont bientôt arriver pour s'occuper de vous. T'iras pas loin. On a une vraie armée ici. Ouais mais je joue à Doom, donc les armées ça veut rien dire. Tu te doutes pas de ce qu'ils ont en réserve pour toi. Ça se trouve, le mec, il savait même pas qu'il était là pour être enregistré. Hein. Ça se trouve, il est venu complètement peuré d'abord. Il devait avoir, ça se trouve, une vraie ligne de dialogue. Et le mec, il arrivait complètement beurré. Et au dernier moment, il se dit, allez, vas-y, on fait un mec bourré. C'est pour Iron, ça, le métro. Voilà la preuve que je voulais. Putain, un peu plus, je le relâchais, se le mangeait dans la gueule. Je sens que là, le système de vision nocturne, ça va être un calvaire. Un calvaire visuel. Ça va brûler les rétines, je sens. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attends. Oh putain! Oh la vache! Mon dieu! John, mais qu'est-ce que tu fous?
Ouais, je sais pas. Je t'avoue que... Toujours des rames qui passent. Ouais, ouais, je ferai gaffe. T'as intérêt. Faut rester concentré. T'en fais pas. Mon bébé est prêt à partir. Oh putain, l'autre, la Gatling. Alors lui, faut le tuer en premier. Parce que alors là... Faut juste que j'arrive à viser correctement. Si je peux viser la tête directe là. Ah. C'est pas beau à voir. Le nain, il s'est mangé le métro. Peut-être Aero ou Fun Fun. On peut pas passer par là. C'est avec ça? Ah ouais. Bon, je pense qu'on a trouvé... On a trouvé... la suite. Oula. Putain. Alors lui, je pense qu'il a dû abuser du chili con carne. Faut vraiment qu'il arrête de manger épicé, lui. Parce que alors là... Et... Va falloir aller voir un proctologue, là. Parce que là... Ça devient important, là. Bel effet, je sais pas. Ouh, ok. Ah, j'aime bien les endroits qui ont de la classe. Bah, surtout qu'on y voit que dalle. C'est pire, ça. Putain. C'est fermé. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Où emmenez-vous les tableaux là-bas? Fais-nous plaisir. Ta gueule. Vous voulez que je reste calme? C'est de la folie. Où est Grobin? Il est occupé. Des affaires. Rien ne va plus, Frontier. Les flics sont après nous. Ma réputation est en jeu. Von Laban, tu seras grassement payé. Allez, les gars, on sort ces tableaux d'ici. Crétin, shooté à la testostérone. Vous ne comprenez pas que c'est du sérieux. Qui a changé les plans? Je vais t'expliquer le coup, mais juste cette fois. Et pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as de plus à nous offrir?
Je n'aime pas ça du tout. Si j'étais toi, je la fermerais et je suivrais les ordres. Ton utilité est de plus en plus limitée. Non, si j'aurais pas levé un peu le micro là, comme ça. Ouais. Ce serait peut-être un peu mieux. Fermé. Fermé. Ouvert. Putain, c'est... Ça fait mal. C'est une vraie galère. Au niveau des rétines, c'est vraiment désagréable. Mon vieux, c'est mon meilleur coup depuis des années. Ouais, j'ai déjà... Un intrus! Je vois pas comment il a pu me voir. T'as lui aussi, c'est du cul, quoi, mais c'est pas possible. Putain, mais faut arrêter les épices, les gars, quoi. Putain, paprika, tout ça, là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour le côlon. Hein. Pensez à votre santé, merde. Sont en sûreté. On a presque fini. Restez en alerte et vous recevrez bientôt de nouvelles instructions. Bien, monsieur. Quoi ? Mais qui êtes-vous ? Je suis le contrôleur. Je veux voir vos billets. Rico ? Rico, tu es là ? Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Bon, je laissais Von Laben en arrière. C'est un boulet, et il ne nous sert plus à grand-chose. Je veux que tu le descendes. Compris, pas de problème. Tu as l'air un peu enroué. J'ai dû choper un microbe, c'est un peu humide ici. Ah, t'en fais pas, Rico. Tu t'adoreras bientôt au soleil en regardant fructifier tes placements. J'ai toujours voulu en avoir. Je ferais mieux de prendre ça. Je te jure, le typique ordi portable. Alors si vous croyez que c'est fini, vous vous trompez. Au moindre problème, je vous dégomme tous. Quoi ? C'est moi qui l'ai eu, le dernier civil. C'est moi qui l'ai eu, c'est pas toi. Je te jure. Au moins celui-là, il l'a pas récupéré. C'est moi qui l'avais. Ah, les bâtards. Ils m'ont coincé.
Mais quelle bande de sacs à merde. Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Ah, j'étais coincé dans l'échelle. Ça, c'est incroyable quand même. Bon. Règle numéro 1. Dans Die Hard, les échelles sont pas tes potes. Mon vieux, c'est mon meilleur coup depuis des années. Ouais, j'ai déjà bossé pour lui. Gruber paie toujours. Avec ma part, je vais m'éclater, les gars. Je vous dis que ça. Fermez-la. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas trop de soins là-bas. Non. Et coucou monsieur Fanfan. Combien de temps encore faut-il tenir la zone? La police sera bientôt là. Plus très longtemps. Les marchandises sont en sûreté? On a presque fini. Restez en alerte et vous recevrez bientôt de nouvelles instructions. Bien, monsieur. Quoi? Mais qui êtes-vous? Je suis le contrôleur. Je veux voir vos billets. Pas de billets, pas d'entrée. Rico, tu es là? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Bon. Je laissais Von Laben en arrière. L'homme qui me salue le plus sur Twitch. Compris, pas de problème. Display, il salue tout le monde. Hein. Et des fois, il plante des couteaux aussi, tant qu'à faire. Lance des couteaux. Coucou. J'ai toujours voulu en avoir. Je ferai mieux de prendre ça. Je sais pas combien il y a de morceaux de tableau. Problème, je vous dégomme tous. Merde, des otages. Pourquoi ces types ont-ils toujours des otages? Tu sais, Bill, j'ai jamais compris pourquoi t'es resté avec toi. Visiteur. Putain, c'était pas loin. Hein. Je croyais qu'il était mort, mais non, il était pas mort encore. Merci, monsieur. D'habitude, je suis mieux habillé. Je m'appelle John McClane. Police de comme moi et mon Bob. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Hé, mon gars, qu'est-ce qui s'est passé? Tu savais, ils ont débarqué, ils ont pris tout le monde. Il y en avait des dizaines. Qui sont-ils? C'est ce que j'essaie de découvrir. Désolé, c'est tout ce que je me rappelle. Qui commande? Il y avait un grand type qui hurlait des ordres. Je crois l'avoir déjà vu. Hé, c'est un gars de la télé. Qui? Le type à la télé. Le mec qui fait de l'aérobic. Jack Frontier? Ouais, c'est lui. Ah, c'est trop bizarre. Faites gaffe, il y en a sûrement d'autres. Ouais. J'espère bien. Demi-tour. Je monte de l'autre côté. Faut que je me serve de ça, j'imagine.
Apparemment, il n'y a pas de jus. Comment on fait pour qu'il y ait du jus ? Je crois qu'il y a un câble. Hein. Merde. Il y a un câble qui arrive là. Ah, mais il faut mettre en marche ça. Ce foutu truc ne marche pas. Il faut une clé. Peut-être que ils l'ont. Ils avaient de l'équipement. Des tas de petits paquets. D'accord. Ce foutu truc ne marche pas. Il faut une clé. Non, je l'ai pas. Des tableaux peut-être. Oui, 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 c'est possible. J'en ai entendu un qui parlait de les apporter au fleuve. On peut y aller depuis le métro ? Oui, vous pouvez atteindre les canaux d'écoulement par un tunnel latéral. On peut y aller ? Restez ici jusqu'à ce que la police arrive. Hé, mon gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu savais. Ouais, putain. Tout le monde. Il y en avait des dizaines. Qui sont-ils ? Ce foutu truc ne marche pas. Il faut une clé. Bon, apparemment, c'est pas eux qui l'ont, la clé. Peut-être avant. Là ? Ah oui. Bingo. Ok. Ça m'a l'air pas mal là. Ok. Coup de peinture et il sera comme neuf. Ah, apparemment, c'était trois morceaux. Apparemment. Bah écoute, hein. Fais pas chier là, fais pas chier. Si tu veux continuer à respirer, ferme-la un peu. T'as qu'une seule chance de t'en tirer et c'est moi. Vous plaisantez ? Putain, c'est dommage qu'ils aient pas pensé à faire un l'arme fatale en jeu. Rien que pour entendre Léo quoi. Ok, ok, faites pas chier, faites pas chier. Ok, ok. Pierre veut t'éliminer. Tu crois que c'est par hasard que tu te retrouves tout seul ? Léo. J'irai en prison. C'est ça ou direct en enfer. Alors viens avec moi si tu veux vivre. Je vois que vous avez sauvé un tableau des... Ils vous enculent avec leur téléphone portable. Ils vous enculent. Splendide. En avant, connard. C'est bien évidemment un fantasme. Ah ouais, non mais Léo, pour moi, c'est le meilleur perso de l'arme fatale, quoi. S'il n'y aurait pas eu Léo, putain. Léo. Ok, ok. Faites pas chier, faites pas chier. Rix et merde, je sais plus son nom au personnage d'Annie Glover là. Quand il lui crève les pneus à sa bagnole. J'arrive pas à croire que vous avez fait ça. J'arrive pas à croire que vous avez fait ça. Je suppose que vous avez fait pour cette porte. Si, hyper relou quoi. Au fleuve, par les rigoles. Ne fais pas le malin, Leben. Je pourrais descendre une mouche avant que ton chapeau touche le sol. Quoi ? Oublie ça.
J'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. c'est par là, et du coup, là, il y a quoi? Ah, c'est fermé. Mais de toute façon, s'ils font alarme fatale, là, ça sera forcément de la merde. C'est... Ça sera forcément de la merde, parce que, bon, ça, ça... C'est comme tout le reste, à partir du moment où t'en as fait le deuil, hein, du film, hein. C'est fini. Ils peuvent faire tout le fan service qu'ils veulent. Non. Ça sera jamais aussi bon. Ils vont nous faire une Rambo's Video Game. Ah ouais, le rail shooter là. Je sais plus si c'est celui-là, mais. Oh! Un rail shooter quand même. En 2000 combien? 2014? Rail shooter? Putain, j'ai eu de la chance que l'autre con il soit pas mort. Rail shooter quoi. Rail shooter. Ça, c'est le genre de truc qui aurait même plus, qui devrait même plus exister, ça, depuis, depuis début 2000, là. Ray Shooter. C'était bien avec la Wii, par exemple. Mais, sinon, poubelle, les Ray Shooter. Poubelle, hein. Putain. Ah, les mecs. Ah, ils sont bons, hein. Ça. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est comme si. C'est comme s'il nous foutait un Call of Duty, limite le mode solo, on dirait un mode multi. Ça n'aurait aucun sens, franchement, ça n'aurait strictement aucun sens. C'est... Ça n'aurait aucun sens. Je crois que c'est de là qu'on vient. Hein. Ah, je le connais pas, celui-là, Ghost Squad. J'avoue que moi, les rail shooters, les derniers que j'ai fait, c'était les Resident Evil sur Wii. Umbrella Chronicles et Darkside Chronicles, c'est tout. Après, c'est bon, ça dégage. Mais comme je dis, sur Wii, ça passe bien, parce que bon, la Wii... Une télécommande en guise de manette... Mais il y a deux jeux que j'ai jamais fait que j'aurais voulu faire si honnêtement ça me faisait pas flipper. Parce que ça existe des jeux qui me font flipper. Ça existe. C'est Ju-On, The Grudge, l'équivalent de The Grudge, le jeu Wii. Celui-là, jamais je le ferai celui-là. Et l'autre c'était un peu dans le même style. Mais j'ai oublié le nom. Je sais plus. Je sais que tu interagis en fait à un téléphone qu'il faut répondre avec la télécommande. C'est un peu le même style, mais j'ai oublié le nom. Et re le coyote, putain. J'ai cette étiquette derrière. Ah. Je suis un peu perdu là. J'arrive plus à me rappeler le nom du jeu. Héros, j'ai eu un coup de fil, un coup de téléphone des autres.
Non, Aero, c'est inexcusable. Tu n'as pas à recevoir des coups de fil pendant le live, enfin, Aero. Merde, je sais pas, moi. C'est inexcusable. Moi, quand je vous demande de suivre le live, vous coupez au téléphone, putain, merde. C'est pas possible. Non, mais je rigole, ça... On a un pépin 3 pommes. Calling Project Zero. Peut-être dispé, je vais te dire ça. T'as commencé à grésiller quand je suis passé à autre chose. Je crois que ça devait être ça. Non, c'est Calling tout court, le jeu qui s'appelle. C'est Calling. C'est pas Project Zero, ça c'est sûr. Project Zero, j'aimerais bien les faire. Si je les avais sur PS4 ou... Ça, c'est des jeux que je ferais avec plaisir, ceux-là. Ça, c'est des très bons jeux, Project Zero. Fatal Frame, version originale. Très bon jeu, Project Zero. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est Calling. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. J'aime bien, ils te foutent une image de PewDiePie. Bah ouais, parce que là, tu peux pas tellement les combattre, les esprits. Tu peux juste te débattre, mais c'est tout, comme dans Ju-On. Alors que dans Project Zero, tu peux les combattre avec la caméra obscura. Au moins, tu peux les affronter. Là, ces jeux-là... Ça, non, tu les affrontes pas. Tout ce que tu peux faire, c'est fuir et te débattre, c'est tout. Et retarder l'inévitable. Bon, remarque. Lui, au moins, il peut avoir une bonne fin. Comparé à Ju-On. Ju-On, on t'explique clairement que, de toute façon, tu n'échapperas pas à la malédiction. Peu importe ce que tu fais, tu n'y échapperas pas. Une fois que t'es dans la malédiction, c'est fini. C'est ça que j'aime pas dans Ju-On, c'est ça, c'est... C'est trop pragmatique. Et merde. J'aurais dû mettre en mode course. Putain, le mode furtif, il est chiant. Le mode course, il court trop vite. Le mode furtif, il court pas assez vite. Project Zero. Et il me semble qu'il y en a un nouveau qui doit sortir. Hein. Project Zero. Si je dis pas de bêtises. Oh putain, il faut que je me retape les otages et tout. Oh putain, fais chier. Pas de bol. Alors comment ça se passe avec McLean? Bah là, on est mort comme une merde. Mais bon, c'est un jeu rigolo. Moi, honnêtement, si vous voulez faire du rétro, moi, celui-là, je peux que le vous conseiller. Parce que franchement... Celui-là, sans hésiter, je vous le recommande. D'ailleurs, je sais même pas comment il a été noté, ce jeu. Attends, je regarde 2 secondes, quand même. Parce qu'on va voir comment ils ont noté ces gros cons, là, de JVC. On peut voir un peu, qu'on se marre. /14/20. Ah, les joueurs, ils ont mis un peu plus haut. 15,3. Oh, ils sont un peu généreux, quand même. Ils sont un peu généreux, mais après, oui, de toute façon, c'est juste les graphismes. Surtout, le gros point négatif, c'est les graphismes. Ça, j'avoue que c'est vraiment dégueulasse pour de la GameCube. Hein. La GameCube faisait des personnages beaucoup plus mieux designés, quand même. Ça, c'est sûr. C'est dommage que... Mais bon, ça reste un bon jeu, quand même. Mais par contre, ouais, pour la visée, c'est un peu casse-couille, quoi. Vaut mieux mettre la visée automatique, hein, pour le coup. Putain, j'ai tiré comme un con. Putain. Ah,
J'avoue, c'est une galère pour viser. Sur l'échelle. Je l'aime pas cette mission. Celle-là, je l'aime pas. Je me rappelle plus après s'il y en avait d'autres que je détestais encore plus. Je crois que oui. De toute façon, je crois que. On va avoir droit quand même à des missions chiantes. Hein. Essayer un truc. Se servir de lui comme moyen de désarmer les autres. Mais qui êtes-vous ? Je suis le contrôleur. Je veux voir vos billets. Oh merde, c'est fermé. Hein ? Bon. Eh ben, on n'aura pas pu. Oh, comme il me regarde. Et merde. Quelque chose. Oh, je laissais Von Laven en arrière. C'est un poulet et il ne nous sert plus à grand chose. Je veux que tu descendes. Compris, pas de problème. Quand il y a les otages, c'est chiant. J'ai dû choper un microbe, c'est un peu humide ici. Ah, t'en fais pas, Rico. Tu te dors bientôt au soleil en regardant fructifier tes placements. J'ai toujours voulu en avoir. Je ferais mieux de prendre ça. Bingo. Ça aussi. Hop. Alors si vous croyez que c'est fini, vous vous trompez. Au moindre problème, je vous dégomme tous. Merde. Des otages. Pourquoi ces types ont-ils toujours des otages? Tu sais, Bill, j'ai jamais compris pourquoi t'es resté avec cette grue tout ce temps. Moi non plus. Mais tu sais, c'était aussi une amie. Une amie? Quoi? Un visiteur? Merci, monsieur. D'habitude, je suis mieux habillé. Je m'appelle John McClane, police de Century City. Vous nous avez sauvés! Hé, mon gars, qu'est-ce qui s'est passé? Mon gars! Ouais, ils ont débarqué, ils ont pris tout le monde. Il y en avait des dizaines. Qui sont-ils? Des méchants. On sent que quand même j'ai du mal à viser. Je pense que ça se voit. Putain. Tu passes de Call of Duty en mode vétéran à ça quoi, mon dieu, là tu dis. Ouf. Ouf. C'est vraiment lui qui visait quoi. Là on a le droit de se poser des questions. C'est l'entraînement sur The Last of Us. Putain, t'imagines si je jouais comme ça sur The Last of Us? Oh, mon dieu, putain, je servirais à rien, quoi. Oh, putain. D'ailleurs, The Last of Us, je sais pas quand est-ce qu'on le fera. Déjà, finir Alien, déjà, ça sera déjà pas mal. Peut-être si je fais comme ça. Non plus. Oh, putain, c'est pas vrai. Le bon passage, tu m'étonnes. Tu l'avais fait celui-là, héros? Bonjour.
Soit j'hésite à refaire The Last of Us quand même. J'hésite soit à le faire en mode réaliste directement. Comme ça fait longtemps que j'ai pas refait le mode campagne. Mais sans ATH, moi je vais être perturbé. J'ai déjà fait survivant. Donc je sais pas si ça vaut le coup de refaire en mode survivant. Si tu veux continuer à respirer, ferme-la un peu. T'as qu'une seule chance de t'en tirer et c'est moi. Vous plaisantez ? Mais ouais, sans ATH, moi ça me pose problème. Frontier veut t'éliminer. Tu crois que c'est par hasard que tu te retrouves tout seul ? Mais j'irai en brisant. Jamais juste vu la vidéo. JDG y a joué ? Je sais qu'ils avaient présenté la trilogie surtout. C'est ça ou direct en enfer. Alors viens avec moi si tu veux. Je me rappelle pas qu'ils avaient parlé de Vendetta. Vous avez sauvé un tableau des hommes de Frontier. Ah ouais, putain. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Splendide ! En avant, connard. Il est méconnu celui-là, c'est vraiment dommage. Tout le monde connaît trilogie, mais personne connaît celui-là. Je suppose que vous n'avez pas de clé pour cette porte. Si, une minute. Ça mène où ? Au fleuve ? Parlez rigole. Ne fais pas le malin, Leben. Je pourrais descendre une mouche avant que... Ouais, trilogie, il y avait parlé, mais Vendetta, il est à part. Il est à part de trilogie. Vu que trilogie, ça date surtout de la PS1, donc... Enfin bon, c'est un nanar. C'est un nanar comme on les aime. Oh putain. À part que la visée qui a chié. Ça, il faut dire ce qui est. C'est fini pour toi, ouais. Qui c'est qui parle ? Ah. Johnson ! Ouais, c'est moi. Attends, je suis surveillé qu'il n'y en ait pas un qui vienne là parce que... C'est bon, personne nous suit. Tant mieux. Je crois qu'on a un pépin. Bon, c'est ton tour maintenant. Voilà, saute maintenant, on est à la bourre. Faites-moi de la place. Ah. On se glissait, quoi. Là par contre il pourrait être salaud et te foutre un soldat derrière là, dans le tunnel. Oh putain, ce strafe qui te fait. La tête. Alors, il est pas bon mon menton. Je l'hydrate tous les matins. Je crois que vous n'auriez pas dû faire ça. De quoi ? J'entends rien ! On s'occupe de Von Laban maintenant. Attention à son charme, vieille Europe. Je n'ai Dieu que pour toi, papa. Si tu es si malin, c'est dégueulasse. Tu diras ce qu'on a besoin de savoir. Ne me touchez pas ! Faut t'y habituer.
Ton futur camarade de cellule fera 150 kilos. Joli travail, papa. Merci, je te vois plus tard. Il faut que je prenne une douche. J'allais te le suggérer. On se voit au poste. Précision 28%. Oh putain. Yay! Ça, c'est de la précision. Bon, il y a pire, il y a 27%. Century City Police Department. Je pense qu'on va faire celui-là et après on s'arrêtera après. Allez voir Lucy McLean dans la salle d'interrogatoire. C'est là que tu le vois arriver avec le paintball. Touk, 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 en train de shooter tout le monde. Le calme avant la tempête. % de discrétion, putain. Occupez-vous des flics maintenant. Et mort, espèce de tarlouse obèse. Oh putain. Alors ça. Oh, putain. Alors ça c'est pas autorisé aujourd'hui ça. Ah, tu sens que c'est quand même la vieille époque hein. On se croirait dans Police Academy, quoi. Oh la vache. Je pense que ça envoie. Oh l'insulte, quoi. Putain. Qu'avons-nous là? Leurs communications sont coupées, monsieur. Excellent. Vérifiez le parking. Y a personne, on a regardé. Eh bien, regardez encore. Tout le monde lâche ses armes. Merde, on fait quoi maintenant? Baissez vos armes. Baissez tous vos armes. Vous avez 2 minutes avant que cet endroit soit encerclé. Vous n'allez pas vous en sortir. Sans radio, personne ne sait que tu es là. Et grâce à toi, McLean. La moitié des flics de la ville rampent dans les égouts et le métro à la recherche de preuves. Toi et tes copains aussi, vous finirez sous terre. 6 pieds sous terre, exactement. Tu penses vraiment pouvoir faire la différence? Bien sûr. Tes mines de proximité. Ils ont quelque chose à dire apparemment. Je me souviendrai de toi, McLean. Oh, d'accord. Vas-y, tire. Ne me tente pas. Fais gaffe, la soirée commence à peine. Mille. Attendez, ne me faites pas de mal. Je suis juste le garde de la sécurité. La ferme, ou tu passeras pas l'hiver. Alors qu'est-ce qui se passe ici? T'es mort. Je crois pas, non. On fait quoi maintenant? On tire, on s'en fout, il a pris juste sur notre sage. De toute façon, GG, je l'aime pas, il est un peu con. Merci, mon gars. Ces types sont dingues. Je te jure. En plus, il fricote avec sa cousine. Pas de problème. Ils sont combien? Gros,
C'est une véritable armée. Ils ont prévu de faire sauter les lieux. Il y a des mines partout. Prenez mes clés de l'armurerie. Vous aurez besoin de toute l'aide possible. Mais qu'est-ce que tu veux, Gruber? À mon avis, c'est lié au dénommé Von Laban que nous avons amené un peu plus tôt. Ce bouton ouvre les portes du garage vers le sud? Merci. Ils ne peuvent pas s'emparer de tout le bâtiment, si? Attention, mec. Il y a assez de plastique ici pour raser le quartier. J'arrive pas à y croire. Moi non plus. Ils ne peuvent pas s'emparer de tout le bâtiment, si? J'aimerais avoir un jour de boulot normal. Juste une fois, une petite filature, un décaillé, un beignet, pas de fusillade, pas de bombe, pas de guerre mondiale. C'est pas faux. C'est dur de viser. C'est une galère. Je monte, je les chope. Putain, ils sont partout. Putain, les hélicos. Attends, le cowboy, ce qu'il va te faire, le cowboy. Putain, mais ça pète pas cette merde. C'est bon ? Ouais. Cours, poulet, cours. Mais qu'est-ce que Frontier vous de Von Laban d'abord ? Curable. Franchement, la BO, elle pète quand même. Elle est vraiment fidèle au film. Hein. C'est toi? Comment ça va? J'ai connu mieux, mais ça ira. Écoute, ils ont piraté le système informatique. Toutes les communications sont coupées. On peut pas appeler des renforts. Ok, reste ici. Je vais essayer de relancer les ordinateurs. Comment? Je sais pas. J'invente au fur et à mesure. Ça fait peur. Où est Von Laban?
Je ne sais pas. Les journalistes ne sont pas spécialistes. Oh putain. Quartier général de la police. Sonberg. Quand ça chie, je ne vois aucune raison de te garder en vie. Ici, lâchez vos armes. McLean. Thornberg. J'ai jamais cru que je serais content de vous voir. Faites ce qu'il dit. Tu l'emporteras pas au paradis. Pas gagné, c'est fini. Ouh, et j'avais pensé pour un prochain jeu où tu inventes un personnage. Putain, ça ferait un bon nom, ça. Dick Thornberg. Robert te réserve un truc spécial. Dick Thornberg. Là, franchement, ça claque. Ah, c'est ça qui est merde, putain. Je l'adore, lui. Je l'adore. Merci, merci, merci. Comment vous remercier ? Ah, tu pourrais commencer par me lâcher. Qu'est-ce que tu fabriques ici, du reste ? J'essaie d'avoir une interview avec Van Laben. Une exclusivité, bien sûr. Dis-moi tout ce que tu sais, et si tu me dis des conneries, je te descendrai moi-même. Je les ai entendus dire qu'ils avaient mis des explosifs aux deux portes d'entrée principale. C'est piégé. Si quelqu'un essaie d'entrer de l'extérieur, boum ! Il faut les désamorcer. Mais ça risque de prendre un moment. Putain, ça fait bizarre de voir Bruce Willis avec des cheveux. Ça fait vraiment bizarre. Surtout que c'est pas tellement sa tête. Thornberg, bouge pas. Je vais m'en occuper. McLean, vous croyez vraiment que je vais rester ici à attendre de me faire tuer par un mercenaire ? Tu préfères te faire tronçonner par Gruber ? Bouge pas. Ok, petit malin. Vous savez que j'ai toujours voulu faire une émission spéciale sur vous, ça vous dit ? Demande à ma mère. Mais arrêtez, qu'est-ce que je vous ai fait ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Alors, vous êtes prêts pour cette interview ? J'aurai mon interview, je les ai toujours. Il avait une voix bizarre, là. Mais arrêtez, qu'est-ce que je vous ai fait ? Il était possédé par le démon. En même temps, c'est Dick Thornberg, hein. Bien sûr qu'il est possédé. Oh putain. Des mauvaises herbes ont la vie dure. Ligne de proximité. Putain, je suis quasiment mort. Ouais, ah mais tu parles, j'ai pris trop cher. J'aurais dû m'éloigner de la porte. J'aurais dû m'éloigner des portes. Des portes. Je vais m'en occuper. McLean. McLean. Voilà. McLean. Chute. Bon, apparemment, on peut pas l'éloigner. Ça fait quelle impression d'être battu comme plâtre. Ça, c'est pour mon frère. Frappe-le encore. Putain, mais c'est une blague. Oh mon dieu, la visée. Comment elle est à chier, quoi. Hal, dis-moi quelque chose. Je vais survivre. Je suis plus costaud que ces crétins. Tu es sûr ? C'était quoi ce bruit ? On a des invités. Hein ? Où ça ? Ah oui. C'est tout bon. Ça va, cowboy ? Oui, mais il y en a d'autres. Ils sont emparés de la station. John, il faut relancer le système de communication ou on va au-devant de sérieux problèmes.
Je sais, mais mes connaissances techniques sont un peu dépassées. Je sais même pas régler l'heure sur mon magnétoscope. Oui, c'est pareil pour moi. Et on a besoin de quelqu'un qui sache les réparer. Attends, il y a ce type qui s'appelle Dodd. On l'a amené ce matin, on l'a surpris en train de pirater les bulletins de paye de sa boîte. Il a l'air de toucher sa bille en informatique. Ok, on va voir si le dénommé Dowd veut se racheter une conduite. Il doit être dans les cellules. Allons-y. Wow, t'as pas l'air aussi costaud que tu croyais. Sans doute pas, non. La barbe. Écoute, ça va bien, on y va. Non, pas cette fois. Tu restes à te reposer ici. Avec ton goût naturel pour les beignets, tu vas juste me ralentir. Désolé, cowboy. Écoute, je vais garder l'œil sur l'entrée principale. Souviens-toi de ne libérer que Dowd. On a de vrais tordus dans les cellules. Pas de problème. Ça sent le bacon. Eh, mais c'est pas ton frère ? Ouais, il s'est retiré au Mexique. Bonne photo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Cette porte. Si j'avais la clé, je ferais pas ça, tu crois pas? Fais-moi de la place. Et ouais, c'est moi qui avais la clé. Attends. On sait même pas si le porte là, le gilet. Le pompe. Un petit pompe là. Un petit espace 12 là. On s'est trouvé des rats pour jouer. Non. Pitié. Merde. T'as ce que tu mérites. Merde. Pourquoi t'as rien fait, John ? Mais qu'est-ce qu'on a là ? Un poulet vivant. Attends que je te mette la main dessus. Bon, d'accord. Fabrique ici. Papa, c'est toi ? Ah, il y a une mine sur la porte. Ils ont miné la porte. Si on essaie d'ouvrir, on est fichu. Ouais. Ok, éloigne-toi de la porte. Va au fond de la salle. Je vais tirer sur la vitre. Ok. En avant, fin de la bonne. Imbécile ! Gruber va tous nous tuer. Vous ne faites que reculer pour mieux sauter. La ferme est en avant. Et un peu d'optimisme, d'accord ? Elle est blindée. Il y a sûrement un autre moyen. Je vais essayer de la briser avec ce fauteuil. Recule. Ouais. Si j'ai pas réussi à la péter avec une chevrotine, il y a peu de chances que ça marche avec une chaise. Elle a un peu morflé. Écoute, essaie de tirer sur la vitre exactement.
marché. Et voilà, beau travail d'équipe. En plus, j'ai tiré sur la mine comme ça, ça s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Frontier l'a flingué. A pris le compte-rendu d'interrogatoire et une liste des œuvres volées. C'est pas seulement un vol. C'est une revanche qui tourne à la folie. De quoi tu parles? Groupe a des plans qui vous concernent. Ainsi que toute la ville. Pourquoi on vous croirait? Vous êtes son partenaire, après tout. Si j'avais su ses vraies intentions, je n'aurais pas marché. Je ne voulais que les tableaux. Vous perdez du temps. Papa, on a besoin de rétablir les communications et de désamorcer les explosifs. Et on a besoin de ces documents. Je suis d'accord, mais c'est autre chose qu'un vol d'œuvres d'art. Voilà les clés des cellules. Je vais essayer de rafistoler Von Laban. Dès que les portes sont désamorcées, je t'aiderai à attraper Frontier. Je vais bien, papa. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Ah, c'est... Oh non, on peut ouvrir la porte, hein. Maintenant il n'y a plus l'explosif. Hein. Ça risque plus rien. Hein. Enfin... Et voilà, aucune preuve. Ça c'est le serveur. Ça c'est les cellules et ça c'est ça mène au hall principal, j'imagine. J'allais le shooter. J'ai cru que c'était un terroriste. Ah, il allait se prendre une rafale là. Qu'est-ce qui se passe ici, mon gars? C'est quoi toutes ces fusillades? Tu t'y connais en explosif? Ouais, je sais comment m'en éloigner au plus vite. Ça aide? J'ai l'impression que je serais plus en sûreté dans ma cellule. Objectif actuel. Désamorcer les bombes et rétablir les communications et trouver la mallette de preuve. Qu'est-ce qui se passe ici, mon gars? C'est... Tu t'y connais en explosif? Comme ceux qui se sont posés partout dans le bâtiment? Pour faire simple, oui. Ça devrait aller, c'est moi qui les ai conçus. Oh, je sais deux autres choses. D'abord, il y a suffisamment d'explosifs ici pour raser le bâtiment. Ensuite, le seul enfoiré qui peut les désamorcer ici, c'est moi. Alors, tu dois être nitrique. Et toi, tu es ce flic timbré, John McClane. Je croyais que t'aimais bien faire sauter des immeubles. Laisse-moi te rappeler un détail, nitrique. Si ces bombes explosent, tu pars avec. Et je pense pas que ça te ferait plaisir, n'est-ce pas? Donc... Avec toute la mauvaise grâce voulue, je vais te faire désamorcer ces bombes. Oh, et si tu joues au malin, je te promets que tu perds. N'en fais pas pour moi, poulet. C'est pas un beau jour pour mourir aujourd'hui. Quel est ton nom? Écoutez, il y a sûrement une erreur. Je devrais pas être ici. Oui, je sais, tout le monde est innocent. Quel est ton nom? Herbert Down. Le type aux ordinateurs. Je suppose, oui. Écoutez, j'avais pas l'intention de... Est-ce que tu peux pirater les ordinateurs de la police? Mais c'est illégal. J'ai pas le temps de réviser mon catéchisme. C'est possible? Bien sûr, pas de problème. J'ai juste besoin d'un ordinateur. Hé, hey, je connais une sortie secrète. Allez, laisse-moi sortir, mec. Allez, quoi? Je peux tous nous faire sortir d'ici. Oui, oui, oui. Je te crois. Je te promets, mon gars. Je te montrerai comment filer d'ici. Hé, hey, je connais une sortie secrète. Allez, laisse-moi sortir.
Laisse-moi sortir, mec. Le Gollum latino, là, non merci. Herbert, je t'offre une chance de gagner ta liberté. Tu peux pas aller plus vite? Ce sont mes genoux. Le toubib dit qu'il en a jamais vu de pareil. Tu devrais faire plus d'exercice. Ben, je vais à pied au bureau. Putain, dans 3 heures, on y est encore. Alors, la mallette de prof, par contre, je sais pas où elle est. Ça me dit absolument rien. Bon, qu'est-ce qu'il fout ? Mon Dieu. Eh ben. Putain, t'as de quoi travailler chez EDF, toi. Hein. Encore une minute. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Silence. Je ne travaille bien qu'en silence. Je croyais que les génies étaient rapides. Écoutez, je peux retourner en cellule si vous préférez. C'est bon, continue. Ta-da ! C'est fini. C'était facile, vous savez. Vous devriez améliorer la sécurité. Ok. Peut-être qu'elle est là, la mallette. Dans des salles d'interrogatoire, peut-être. Pourtant, je l'ai pas vue. Hein. Non. Ça doit pas être ça. Ça peut pas être l'armurerie parce que de toute façon personne ne peut y accéder. Où est-ce qu'elle est cette... Ah, peut-être là la mallette. Elle est peut-être là. Ah non. Ça sert bien à quelque chose pourtant cette pièce que... Trouver la mallette de preuve. Ou alors c'était là peut-être. Bah non. Je vois pas la moindre trace de mallette. Hein. À moins que ce soit après. Sandberg, bouge pas, je vais m'en occuper. McLean, vous croyez vraiment que je vais rester? Bon, ben on va avancer, hein, tant pis. Souviens-toi qu'on a besoin de cette valise. Elle contient la liste des œuvres volées et ce qu'il a l'intention d'en faire. On ne peut pas les laisser filer avec ça. Oui, mais je sais pas où est ta mallette. Mars, ce sera peut-être plus tard qu'on la trouvera. Peut-être pendant cette mission-là. Moi, faut que je retourne en cellule. Il
falloir libérer l'autre, la nitrique là. Fais ce que tu dois faire, et en vitesse. Ne joue pas au malin, Nitrique. Je t'ai en ligne de mire. Mets-le ailleurs, ton pistolet à eau. Ça prend un peu. Te fais pas des idées, c'est tout. Des idées, j'ai que ça, mon vieux. Je suis un inventeur, tu sais. Ne joue pas au malin, Nitrique. Je t'ai en ligne de mire. Mets-le ailleurs, ton pistolet à eau. Ça prend un peu. Ça démarche en venant, mais t'as vu ça, quoi. On dirait GTA 5, quoi. Il manque plus que les lunettes de soleil là, la musique de Thug Life là, et puis... Mon dieu. J'attends que tu t'arrêtes de regarder par-dessus mon épaule. Pas de garantie, ça peut encore sauter. Alors va de l'autre côté de la pièce, là où c'est sûr. J'attends que t'arrêtes de regarder par-dessus mon épaule. J'y crois pas trop. Pas de garantie, ça peut encore sauter. Alors va de l'autre côté de la pièce, là où c'est sûr. Je te surveille quand même. Adios, amigos. Ah, c'est pas encore fini? Retrouvez la valise contenant l'épreuve. Arrêtez Nitrique. J'habille bien s'entretue, c'est rigolo. Ah, fallait juste tuer tout le monde. D'accord. John, attention. McLean. Oh mon dieu. Ne faites rien avant que la caméra soit prête à tourner. John McLean. On se rencontre enfin. Papa? Avec sa fille. Parfait. Attrapez-la. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, gros peur. Mais si. Bien sûr que si. Montez-la dans l'hélico. Lucie! Juste une petite assurance, c'est tout. Je ne laisserai pas Frontier lui faire du mal, pour l'instant. Si tu la touches, tu es mort. Tu m'as compris? En avant. Je suis derrière toi, gros peur.
Et voilà. Putain, 800 tirs. Je me suis un peu défoulé, là. J'ai un peu la gâchette facile. Putain. Ouais, je te jure. Ce jeu. Studio d'Hollywood, la prochaine mission du jeu. Mais ce sera pour plus tard. Je suis presque à 3 heures de jeu, donc hop, on va s'arrêter là. Tac, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pensais pas jouer aussi longtemps. Ah là là. Die hard. Alors, qui c'est qui est en train de jouer en ce moment? CyberDTV qui est sur du Kill Wars. Nounours qui est sur du Secret of Mana. Et Mr. Rashi qui est sur du Nioh. Remarque, on a arrêt de Mr. Rashi, c'était hier soir, je crois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas arrêté Nounours, mais... Ouais. Bah go, du coup. Go. Remarque qu'il y a moins de monde chez CyberDTV. Moi, je me tâte, là, du coup. Pas grand monde chez CyberDTV. Ouais, on va privilégier CyberDTV, il y a moins de viewers que. Lancer un raid. D'accord. Faut que je tape son pseudo. CyberDTV. Tac. Qui est sur du Guild Wars. Faudra qu'on s'y remette nous aussi sur ce jeu. Faudra qu'on s'y remette aussi. J'avoue que. Bon, ben sur ce, ben bonne soirée. Dispé, Funfan, le coyote ou le baron, les deux, tant qu'à faire. Comme ça évitera de se tromper. La Jed, Aero. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et ouais. Donc demain, je sais pas ce qu'on fera. Si je joue pas, on verra. Marc, j'avais dit qu'on jouerait peut-être à Demon's Souls demain. Bon, bah ouais, voilà. Bah, sur ce, bonne soirée. Et puis merci d'être passé en tout cas. Allez, sur ce.